dire que c'est la dernière fois, enfin les dernières fois que nous faisons ça. Hein, Louis, c'est la première fois que tu fais ça. Oui, certes. Oui, certes. Ça fait partie, ouais, des dernières fois où, c'est moi qui expédie directement les colis, quoi. Voilà, là, messire. Oh, bien après. Merci de ton aide, mec. Ouais, petite augmentation pour toi. C'est de bonne guerre. Ce qui est sympathique, c'est qu'avec l'entraînement que je vais faire cette semaine, parce qu'on va changer à chaque fois au fur et à mesure, à savoir trois fois du cardio le matin à jeun, et le soir refaire du cardio, plus l'entraînement, on va savoir la semaine prochaine combien j'ai perdu exactement grâce à la machine du InBody de RemGym. Eh, en fait, que pensez-vous de mon look? Ah, ça fait un fringant jeune homme, non? Je m'habille mieux qu'avant, non? Putain, j'ai pas fait exprès. C'était drôle. Ça va. InBody. Faites pas, hein. Taillot. Oui. Vous êtes à venir? Oui. Va-t'en. Je suis en train de remercier Yama pour le concours. Je leur fais un petit mail avec la vidéo. La vidéo, elle a bien marché. Elle est en tendance. Elle a fait 100 000 vues en même pas 24 heures. Ça fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup ce partenariat avec eux. C'est très cool, quoi. Je dois livrer le scénario, la V1 du scénario de Beethoven. Je dois la livrer pour la fin du mois. Là, j'ai une version 1. Mais le truc qui me chiffonne aujourd'hui, c'est les dialogues. Quand tu regardes un film au cinéma, les dialogues, c'est ce qui marque le plus quand tu dis putain, c'est un putain de film, quoi. Et il va vraiment falloir que je travaille sur ça. Je vais, moi, de mon côté, un peu remanier tout ça, mais je pense qu'il y a un moment où je vais faire appel à un dialoguiste, un gars dont c'est le métier. Qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas. Je vais pas me refaire ma pomme avec mes carottes, là. J'ai souhaité de manger ça à chaque fois. Il faut que je prenne le temps de me faire des trucs. Oh non, je pars manger une pomme avec des carottes. Oh non. Ah, qu'est-ce que j'en sais? On part sur un poulet moins gras selon la vendeuse. Avec du riz blanc. Sans la sauce, au gingembre. Ouais, c'est pas grave, mais il y a beaucoup de glutamate, tu vois, c'est pas bon le glutamate. Faut vraiment que je me fasse des gamelles. Hein. La tapitante. Wesh. Ça va? Je veux dire, moi, si je fais une promo là, ça va pas changer grand chose. Non, c'est gentil. Non, fais quand même une. Non, non, mais c'est... bon, il y a. Écoute, ça marche toujours. Mets ton site dans la description. Merci, de la vidéo, merci. Histoire de... Ah oui, j'ai gagné 4 euros aussi. Ah bah tiens, 4 mois de salaire. Tiens. Tu fais des jeux à gratter, toi? Non, j'avais. Louis, c'est laquelle la tienne? Moi, c'est celle qui est sale là. Ok, moi aussi. Celle-là? Celle-là, ouais. Abdel Slam. Ça sent bon, hein? Hein, ça sent bon. C'est ce que je vois. J'ai testé plusieurs cookies ailleurs. Celle-là, c'est l'ultime, ça. Tu le dis tout le temps? Bah oui, je le dirai tout le temps, mec. Okay. Là, on va faire la réunion, première réunion pour le tournage de Beethoven. Parce que ça va être un vrai, vrai gros tournage. Donc, je vous présente Pierre, c'est un nouveau dans l'équipe. Et bien, enchanté. Et lui, ça va être la technique. C'est un mec qui fait du cinoche, donc on va commencer à avoir un peu ce grain cinoche. Il y a une vraie préparation, le tournage, il est dans 5 mois. On a largement le temps de tout bien préparer, mais 5 mois, ça passe vite. Hein. J'ai fait le café de tout le monde, même de toi, Louis. Va-t'en. Je suis le seul à table à avoir une crotte, donc tu respectes tout ce que je dis. Ingénieur son. Non, monsieur, tout à fait. Alors, c'est Thierry, l'ingénieur son. Vous l'avez déjà vu, hein, quand on a fait Max. Pierre, comme j'ai dit, nouveau dans l'équipe. Eh bien, enchanté. Et Louis, qui est assistant réel. Donc là, il n'y a pas toute l'équipe. Hein. Ça veut dire qu'on est un tiers de l'équipe complète. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer doucement à préparer, savoir le matériel qu'on va avoir besoin, comment se répartir les scènes, etc. etc. Il y a plein de travail à préparer. Le régisseur général, je pense qu'il ne faut pas lésiner dessus. Parce que c'est lui. Ben, je prends pas un pote comme ça en disant tu vas faire le régisseur, je prends un gars, c'est son métier. Non, parce que c'est lui qui va driver l'humeur. Donc vraiment, je pense que c'est un truc hyper important. Là, vu que tu vas être acteur et réalisateur, il faut vraiment que tu réussisses à être focus dans ton rôle et que tu sois et déchargé. Et surtout que même la réal, je vais m'en décharger au maximum avant. C'est ça. Bah, c'est bien. C'est-à-dire là, on est 13 personnes max sur le tournage. Juste dans l'équipe technique. Si tu comptes tous les acteurs, etc., il y aura des jours où on sera plus. 20 déjà, c'est sûr. Et le jour où il y aura le plus de monde avec tous les figurants, on sera peut-être 50. Voilà, on a organisé tout le film là. Au pire, tu pourras faire des économies sur le salaire de Louis qui est déjà super élevé. Quoi. Ouah, c'est pas très cool, mec. Il faut qu'il mange. Voilà. À demain, un par jour, bien sûr. Like. Un petit like. Flaqué. Hehehe.